Pas toujours facile de trouver du temps pour effectuer des contrôles médicaux, alors l'ARS et la Croix-Rouge ont décidé de se déplacer directement dans les communes pour être au plus proche des Guadeloupéens, et ce grâce à ce camion aménagé en véritable cabinet médical. Donc on fait des interventions au niveau de la santé sur le diabète, la tension, l'indice de masse corporelle qui touche à peu près la population depuis un petit moment. Et donc l'ARS a demandé à la Croix-Rouge d'intervenir sur toutes les communes de la Guadeloupe et avec un bus de proximité de pouvoir accompagner les personnes et les prévenir. La première à profiter de ce service ce matin, c'est Martina. Elle est venue tester sa tension. Et c'est un examen qui est très important pour la santé parce qu'avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on touche, et même l'eau qu'on boit des fois, et on risque d'attraper des microbes ou des maladies. C'est très important de se soigner, de faire une prise de sang quand on nous le fait bénévolement en plus. Hein? Je dirais que c'est une grâce de Dieu de pouvoir le faire gratuitement. Cela fait alors 3 ans que le bus Santé Bocas se déplace de ville en ville. Objectif, ouvrir l'accès à la santé au plus grand nombre à l'échelle de l'archipel.